Deux minutes maintenant pour Monsieur Juanico. Merci Madame la Présidente. Le pari collectif qu'il faut qu'on se fixe pour ce projet de loi sur le dialogue social, c'est d'essayer d'une part de concilier les objectifs, on va dire, d'amélioration, d'efficacité, de la qualité de ce dialogue social d'une part, donc aussi les objectifs de simplification pour les entreprises, et en même temps concilier l'objectif qui est celui de devoir préserver les droits des salariés, voire les conforter. Alors c'est des logiques compliquées à concilier. Bon, la preuve c'est que là on a les organisations d'employeurs, mais il y avait les organisations syndicales salariés qui ne sont pas toutes d'accord, il y a diversité de points de vue, y compris parmi vous, et d'ailleurs on a eu échec de la négociation sociale sur ce sujet. Bon. Donc il faut que le texte de loi essaye de dénouer ce problème-là. Sur la représentation des salariés des très petites entreprises, c'est un sujet sur lequel de longue date on a réfléchi ici, majorité et opposition d'ailleurs, hein, dans diverses commissions. Bon, et donc là-dessus, moi, je rejoins pas du tout le point de vue de la CGPME qui est de dire, écoutez, à partir du moment où dans une entreprise il y a 5 salariés, il suffit de pousser la porte du chef d'entreprise pour venir discuter. Pour ça, c'est de l'informel. Je sais bien qu'il ne faut pas que du formalisme. Le dialogue social, c'est quand même un certain nombre de règles et on ne peut pas être dans l'informel. Donc effectivement, il y a un système qui existe, qui n'est peut-être pas parfait, au moins qui a été expérimenté, commission paritaire régionale. Il faudra voir si ce niveau est adapté, si c'est des instances qui vont pouvoir fonctionner et être efficaces dans la durée. Mais au moins essayons. Au moins essayons. Expérimentons. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je défends ça depuis très longtemps. Pour que, avant de généraliser un dispositif, on puisse l'expérimenter sur des territoires. Et au lieu de mettre des dates d'entrée de vigueur d'un certain nombre de dispositifs sociaux, y compris un certain nombre de comptes, il vaut mieux avant expérimenter, avant de généraliser. Et ça, on est tout à fait capable de le mettre dans une loi. C'est même recommandé. Bon. Donc à partir de là, on peut aussi simplifier les choses. Après, il faut aussi qu'à un moment donné, quand le Parlement décide un certain nombre de dispositifs sociaux, qu'on ne soit pas après les mois suivants et les années suivantes systématiquement dans une volonté de détricoter les dispositifs sur le compte pénibilité et sur la et sur aussi les dispositifs de reprise et d'information préalable des salariés de la loi Hamon, parce que là je vois que la CGPME là-dessus en particulier revient à la charge systématiquement. On est capable, ici avec les parlementaires notamment en charge de cette réflexion-là, je pense notamment à Christophe Sirugue, mais il y a eu De Virville aussi qui a travaillé là-dessus, de faire en sorte que dans l'application sur le terrain de la loi, on trouve les voies et les moyens de la simplification. Et dire que les chefs d'entreprise aujourd'hui sont devant des difficultés par rapport au compte pénibilité, bon, alors qu'on ne leur a pas demandé encore de remplir la fiche et qu'au mois de juin que les choses vont se poser, bon, ça me paraît un petit peu ça me paraît un petit peu exagéré pour le moment. Donc essayons ensemble de faire en sorte que ces dispositifs soient applicables sur le terrain. Et donc dans cette loi, ce que je dis, je pense il faut qu'on ait effectivement des dispositifs qui soient simples, efficaces. Et aussi applicable, et c'est ce qu'on va essayer de faire, voilà, sans qu'il y ait une opposition de vue systématique. Merci, Monsieur Juanico. Madame.